Aïe. Hé, Catherine, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, les règles douloureuses. T'inquiète pas, ma fille, ça va aller, ok. Toutes les femmes en souffrent. Mais une fois que tu vas grandir et te marier, accoucher ton premier enfant, la douleur disparaîtra. Tu as compris, ma fille? Oui, maman. Si on va à l'intérieur, je vais te donner un anti-inflammatoire pour calmer la douleur, ma fille. Ok, maman. Chérie. Oui, bébé. Tu as l'air fatiguée, tout va bien. Puisque tu es là, tout va bien, chérie. Chérie. Et mon cœur. Te souviens-tu? De cette fameuse journée pluvieuse. Que tu es devenue mienne? Je me demande pourquoi le Seigneur m'a autant favorisé en t'envoyant dans ma vie. Chérie. Oui, mon cœur. Allons dans la chambre, que je te fasse un petit massage. Faudrait pas que demain nous arrivions en retard à notre rendez-vous avec le naturopathe. Du labo, si vous en avez. Oui, c'est la solution à ce problème.
Bien. Voici votre ordonnance. Le traitement va durer 4 mois. Et ça va vous coûter 200 000. Vous pouvez payer par tranche, soit en même seul bout. Ça dépendra de vous. Mais en ce qui concerne le remède en question, vous passerez après chaque semaine entre en disposition du produit. Docteur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas baisser un peu le prix? Non, c'est imbattable, monsieur. Désolé. Vous savez que j'utilise des plantes très puissantes et qui me coûtent beaucoup d'argent. Vous savez, la santé n'a pas de prix, madame, monsieur. Ok, docteur, sans souci, je payerai par semaine. Bien, voilà, vous passez par cette porte, vous tournez à gauche, vous allez voir une jeune dame dans un grand salon qui va vous servir les produits, ainsi que la posologie. Ok, docteur, merci. Merci, docteur. Non, merci beaucoup. Non, venez, madame. Ouais, toi aussi, Vanessa. On n'avait pas conclu hier soir qu'on devait descendre à l'eau aujourd'hui ensemble. Je t'ai attendu fatiguée à la maison et moi, j'ai dû descendre. Chercher. Ouais, Asha. Ouais, oh, désolé. Ma famille là toujours. Oh, laisse ça, non, toi aussi. Oh, c'est comment alors? J'étais en train de laver mon seau quand tu arrivais. Alors, comment on va laver le tapis aujourd'hui? Ok, comment nous sommes? Un peu le calvaire qu'elle va vivre avec sa belle famille. Tu compatis à sa douleur? Mais bien sûr, c'est une femme comme moi. C'est une ancienne bordel. Hey! Elle remet au coup même que dans sa jeunesse, elle a tellement avorté qu'elle a retiré son utérus pour ne plus tomber enceinte. Ne me dis pas! Oh! Même son mari qui est à la maison là, elle lui a ensorcelé au point de mettre l'homme d'autrui dans la bouteille. Massa! Les femmes peuvent être cruelles. Tu penses que quelqu'un homme accepter de vivre sur le même toit avec une femme pendant un an de relation. Elle ne fait pas des enfants et elle ne se plaint pas. La sorcellerie. J'ai moi dit que le jardin d'Olo que les deux là vivaient, copine. Quel Tobassi dedans. Hé, hey, c'est ça que tu dis petit comme ça. Le grand frère du Tobassi. Alors qu'elle marche ici au quartier comme si elle était la reine mère, la sainte Vierge Marie. Alors que c'est une avorteuse. Je vois que tu es nouvelle ici. Parce que tout. La femme qui est dans le village ici. C'est aujourd'hui que j'entends les trucs comme ça, les. Hé, ne te moi rien dire. Non, je n'ai rien entendu. Laissez-moi les oreilles. Dans le village ici. La sorcellerie qui est dans mes pieds. Parce que si moi passe. Maman, comprends. Ouais. Attends, maman. Attends, maman. On peut nous voir ensemble. Comment ça? Même mon sorcier est percé. Hé, je vais faire comment pour aller à la maison. Rosine, j'ai l'impression que le Seigneur ne veut pas m'ennuyer avec lui. Comment peux-tu dire de tels propos? Voilà déjà 3 ans écoulés que nous sommes ensemble.
Malgré nos efforts, nous n'avons même pas pu avoir un enfant. Cette situation devient vraiment inquiétante. Mais sache que Dieu n'oublie jamais ses propres enfants. En passant, il y a une nouvelle naturopathe au Carrefour Papé Emmanuel. La semaine prochaine, on ira là-bas. Rosine, encore cette histoire de charlatan. Je suis fatiguée. Chaque fois qu'on part chez eux, c'est la même chanson. Et après, on n'a pas de résultat. On ne perd rien en essayant. Peut-être la solution nous viendra de là. Et d'ailleurs même, j'ai appris qu'elle a fait 7 ans de formation au Bénin avant de revenir ici. 7 ans de formation au Bénin? Oui. Espérons que cette fois-ci soit la bonne. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Et surtout, tu ne dois pas négliger les prières. Et en train de clôturer dans les prières aussi. Nous ne savons pas. Ça ira. D'accord, ma soeur. Ah, chérie, tu dors comme ça. Lève-toi un peu dans la chambre. Mmh. En passant, tu as pris ton remède. Je l'ai encore bébé. Ah, comme je te dis. Triste comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, ma fille, ma nourriture vient de finir, mais je suis encore en train de préparer. On prend l'agence et tu t'en vas au Carrefour déjeuner. Laisse-moi. Ok. S'il te plaît, attends un peu. Mes archives. Une fois au Carrefour, tu écrases pour moi. Et si tu arrives ici que je suis sortie, tu ouvres la maison, tu déposes. Mmh. Tu as compris. Mmh. Tu reviens dans l'après-midi pour manger aussi. Okay. D'accord? Ok. Ok, merci ma fille. Sorel, c'est quoi ça sous ton bras? C'est quel bandage ça? La moto m'a cogné ici au Carrefour. Tu cherchais quoi au Carrefour pour que la moto te cogne? Si je me rappelle bien, maman t'a formellement interdit de monter au Carrefour. C'est ça, non? Qu'est-ce que tu faisais au Carrefour pour que la moto te cogne? C'est madame Telle qui m'a envoyé de partir écraser ses arachides. Tiens mon sac, mets dedans. Arrête-toi là.
Je te cherchais. Écoute-moi très bien. Que ce soit la dernière fois, je dis bien la toute dernière fois, que je te vois encore commissionner ma petite sœur. La prochaine fois, on ne te dira pas seulement. J'espère que je me suis fait bien entendre. Mais ma fille... Hey, arrête-moi ça. Qui est ta fille? Tu es capable d'accoucher une fille comme moi? Ce sont les enfants avec qui nous passons la journée. J'ai besoin de leurs services comme demain, tu peux aussi avoir besoin des services de mes enfants. Moi, avoir besoin des services de ton enfant, dans ce monde, ou alors dans un univers parallèle à celui-ci. Je ne savais pas que les femmes qui avaient enlevé leur utérus pouvaient encore faire d'enfants. Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Quand la prostitution était sucrée, tu as enlevé ton utérus. Voilà ça qui te rattrape dans ton foyer. Jusqu'à ce que tu es obligée d'ensorceler ton mari pour rester avec lui. Tu vas lire, madame. C'est le début. Et écoute-moi très bien. Si jamais ma petite sœur est encore commissionnée par toi, ou alors met encore les pieds chez toi, je vais t'arracher une dent. Désolée, je ne savais pas que ça devait être un problème. Désolée pour toi-même. J'espère que je me suis fait bien entendre. Femme stérile. On m'accuse d'avoir ensorcelé mon mari et d'avoir fait des avortements. Pourtant j'ai rien fait, non, non. Pourtant j'ai rien fait, non, non, non. Comme si j'étais venue sur la terre pour accompagner les autres femmes. Le monde est cruel. Laisse me chérie. Le temps de Dieu sera le meilleur. S'il a fait enfanter Sarah à 90 ans, combien de fois toi? Chérie, sois juste forte et je serai toujours là pour te soutenir. Et ne néglige pas tes prières. Vraiment, cesse de pleurer. Bonjour, grand notable. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Tayo Claude. Monsieur Tayo Claude. Oui, mon notable. Soyez la bienvenue. Merci, mon père. Simeon, viens avec la chaise. Oui, donne à monsieur Claude. Mon notable. Je suis venu là parce que j'ai un problème qui me tracasse, mais je sais que vous allez m'aider. Vous voyez, le poste du président de la coopérative des jeunes du quartier, là, je veux ça. Mon notable, j'avais même votre whisky. Ah, ok. Merci. Oui. Ok. Oui, tu sais, on parle du whisky, mais quand c'est déjà au plan Matango, ça remplace le whisky. Toujours le whisky. Tout ça, ça descend et ça saoule. Ah, c'est oui, ça l'objectif. Oui. Docteur, nous étions dans vos locaux, mais malheureusement, vous n'étiez pas là. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché à connaître votre domicile. Voilà déjà 4 ans que nous suivons le traitement ici chez vous. Et nous n'avons obtenu aucun résultat satisfaisant. Docteur, dis-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame, votre cas est très compliqué. Je vous ai donné des mixtures. Faites à base de plantes trop puissantes, qu'on ne trouve la matière première que dans des forêts d'Asie et du Bénin. Vous savez,
Depuis que j'exerce ce métier, je n'ai jamais rencontré un cas pareil. Ceci dit, vous devez rencontrer un marabout pour votre cas. Peut-être on vous a jeté un sort. Donc, si je comprends bien, tu veux présider la coopérative des jeunes? Oui, mon notaire, je veux devenir président. Bon, dis-moi, tu es de quelle concession? Je suis de Fortunate là. Tu es marié? Oui, mon notaire, je suis marié. Père de combien d'enfants? Dieu ne m'a pas encore donné l'enfant. Là, c'est dangereux. Pour donner un poste comme celui-là à un jeune, il faut que tu sois quelqu'un qui a déjà eu à manager les hommes. Parce qu'en patois, on dit que j'y fais dire que tout commence, tout part de la maison. Si tu n'as pas une famille que tu vas gérer, combien de fois une association où il y a 40 personnes? Mais mon notable, je vous rappelle que je suis quand même l'aîné des enfants de ma mère et j'ai pu quand même bien manager mes petits frères. Si Dieu ne m'a pas encore donner l'enfant, ce n'est pas de ma faute. Mon ami, la présidence ne se donne pas comme ça, hein. Mon notable, vous êtes quand même le grand notable Mbatankou. Oui, je suis le grand notable Mbatankou, mais le fait que tu sois encore là comme ça, là, on doute encore de toi, là, ça ne va pas donner. Ça ne donnera pas. Si ta femme ne peut pas produire des enfants, il faut chercher une autre. D'ici 5 ans, lorsqu'il y aura encore les élections, tu pourras poser ta candidature et je verrai quoi faire. Est-ce que tu comprends? J'ai le pouvoir dans ce village. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'a pas d'enfant. On ne peut pas te mettre à la tête d'une association comme celle-là. Hein? J'ai compris, mon état. J'ai compris. Une association qui regorge beaucoup de gens. On ne peut pas prendre une personne qui n'a pas le sens du management. On le met à la tête. Donnez-moi ce que je vous ai donné, maman. Je te donne quoi? Ce que vous avez. Remboursez-moi mon whisky. Ton whisky? Oui. Ah bon, hein? Oui. Quand tu me donnes l'argent, là, mon estomac trace son programme. Donner ses données, reprendre ses volets. Donc. Pas accoucher, tu reviens. On va te donner le poste. Quand vous serez parti chez le devin, repassez me voir. De là, on trouvera une solution pour votre cas. Merci, merci, docteur. D'accord. Comme si. Comme si. Mais puis, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Femme au peu pas, ne wap, yo poupon. Grand marabout, qu'est-ce que tu vois? Votre arrière-grand-mère a médité sur un œuf qu'elle a enterré pour nuire à la lignée de sa petite. Mais malheureusement, ça s'est retourné contre sa lignée. Et puis principalement toi. Ah. Qu'allons-nous faire, grand marabout, pour régler ce problème? À lever cette œuf. Pour ce faire, il nous faut un gros coq noir, 5 litres d'huile rouge, une machette, un sac de sel, sans oublier la terre du lieu sacré de votre village, car ce sont ses ancêtres qui vont nous montrer où trouver l'œuf.
Et surtout, en venant, vous me gardez une somme de 39 905 francs. Vous pouvez partir. Merci, grand-maman. Partez. Partez. Et ne regardez pas le derrière. Sing to a pumpsy. Bum chapper. Let be high up power. Let be high up for. I'm done a far for more mopa. As I'm here. Tout à l'heure, en nettoyant le sol, j'ai maladroitement versé de l'eau sur l'enfant. Pardon? Donc vous avez versé de l'eau sur mon fils? Je porte mon enfant pendant 9 mois dans mon ventre. J'ai subi des contractions atroces le jour de l'accouchement. Maintenant, tu l'as porté, je ne sais quel genre d'eau, pour verser sur mon fils. Madame, ça s'est fait? Ça s'est fait? Connais-tu comment on monte sur une date d'accouchement? N'importe quoi. Toi, tu fermes ta bouche. Laisse mon fils, c'est quoi ça? Une femme stérile comme ça là, avorteuse, n'importe quoi. Où tu m'as seulement t'as pas d'enfant là, c'est toi qui sais. Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Quand la prostitution était sucrée, tu as enlevé ton utérus. Voilà ça qui te rattrape dans ton foyer. Jusqu'à ce que tu es obligé d'ensorceler ton mari pour rester avec lui. Tu vas lire, madame. C'est le début. Maintenant, tu l'as porté, je ne sais quel genre d'eau, pour verser sur mon fils. Madame, ça s'est fait. Ça s'est fait. Connais-tu comment on monte sur une date d'accouchement? Une femme stérile comme ça, là, avorteuse, n'importe quoi. Où tu m'as seulement t'as pas d'enfant là, c'est toi qui sais. Aïe, quelle journée. Comment était la journée? Très fatigant, tu sais, il y avait beaucoup de travaux là pour ça. Oui, aïe, aïe, aïe. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je te trouve tout triste. Et tes yeux m'ont enflé. Ne me dis pas que tu te lamentais encore. Non, chérie. C'est juste un insecte qui m'est tombé dans l'œil il y a quelques instants. Tu sais, chérie. Après toutes ces années vécues avec toi, sache qu'il y a une chose sur laquelle je ne me trompe pas. Tu n'as jamais eu le courage de me mentir en me regardant droit dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, ma beauté? Chérie, suis-je venue chez toi orner ta maison? Ça fait 8 ans que nous sommes mariés. Même pas un enfant, même une fausse couche. Tout le quartier me pointe du doigt.
Tout à l'heure, j'ai eu des problèmes avec la voisine juste parce que pas méga, j'ai versé de l'eau sur son enfant. Je suis fatiguée de cette situation, bébé. Tu sais, chérie, l'enfant, c'est Dieu qui t'aime. Ayant juste la foi, le reste, il le fera. Ne tiens pas compte de ce que les gens pensent par rapport à notre couple. Il est sans cesse l'amour qui est entre toi et moi. Ok? D'accord, mon cœur. Ah, ma belle-sœur chérie est là. Hey, c'est pas toi que tu dis que vous pouvez ici là. Ma belle-sœur chérie là. Ah, mon grand frère. Grand frère de moi. Tu m'as trop manqué. Pourquoi tu as maigri comme ça? J'ai pas maigri, tu te rappelles, j'ai pleuré pas. Ouais, grand frère, tu as maigri là. Pourquoi tu t'entretiens pas? Non, comment tu me dis ça? Hey, consommatrice, prends quoi tu mets dedans. Mon grand frère. Je te permets pas de faire ce que tu as fait. Attends, j'ai fait quoi? Non, mais tu traites ma femme comme tu dis consommatrice. Mais puisqu'elle consomme. Non, ma chérie, je te permets pas. Hey. Je te permets pas. Le tobacco. C'est à ce point. À quel point que tu vas venir traiter ma femme de consommatrice devant moi? Puisque c'est une consommatrice. Et pour ton information, je vais m'installer dans cette maison. Pas avec la lue que tu viens là. Je veux la paix. La paix? Oui, je veux la paix. Moi, je veux les enfants. Tu es quand je vais m'en sortir. Grand frère, bonjour. Bonjour, ma soeur, c'est comment? Ça va. Bien dormi. Grand frère. Oui. Est-ce que tu penses à ton avenir? Parce que là, je m'inquiète vraiment. Mais, de quel avenir parles-tu? Donc, comme ça, monsieur ne voit pas de quel avenir je parle. Avec ta femme qui n'accouche guère, tu penses que ton avenir est prometteur? Ne me fais pas de manquer de respect. Que jamais plus tu ne prononces de telles paroles de ta bouche vis-à-vis de ma femme. Tes enfants, c'est Dieu qui te donne. Enlève le nom de Dieu dans ça. Tu penses que Dieu peut créer une personne stérile? Elle a tout simplement avorté ses enfants. Tu allais prendre une casse-mère dans cette maison. Moi, je veux des petites nièces. Je vois que tu es venu ici créer les problèmes entre ma femme et moi. Je ne suis pas venu créer les problèmes. Je suis venu pour qu'elle te donne des enfants. À défaut de ça, tu prends une deuxième épouse. C'est quoi le problème? Je ne te permets pas de me parler du succès de toi. C'est pas parce que tu es succès de maman que tu vas te permettre de me dire n'importe quoi. Et en ce qui concerne mon foyer, ma femme et moi, je t'interdis de t'y mettre là-dedans. Hey! Et Tobasi? Hein? C'est arrivé à ce niveau? C'est arrivé à ce niveau. Donc elle t'a vraiment enfermé ce qu'a été jeté. Tu vas trouver la bouteille là. Je tiens à te rappeler que ce maman était encore en vie. Elle aurait réagi de la même façon dont je suis en train de réagir. Je t'ai dit que ça peut pas se passer comme ça. Donc c'est vrai ce qu'on dit. Quand t'es enfermé dans une bouteille, 8 ans de mariage sans enfant, grand frère, et tu trouves ton avenir promettant avec une femme stérile, une femme qui ne veut pas te donner des enfants, tu trouves qu'on est resté avec elle. Je ne peux pas bouger de cette maison. Tu dis à qui? Belle-sœur. Hé, dégage devant moi, laisse ça. Je ressemble à ta belle-sœur. Hein? Vampire. Mademoiselle, tu es en train de se jeter et tu dégages de ma maison. Sors! Hey! Mais chérie, mais toi, c'est ton comportement, ça. Allons à ce niveau! C'est tout au point de te traiter de stérile sur moi! Elle est stérile! Elle est stérile! Et ton problème, c'est quoi? Elle est stérile, c'est pas qu'on se voit! Va de chez moi! Sors! Hey! Ah bon, ouais? Oui! Tu vois, chérie, tu vois? Mais belle-sœur, ne touche pas! Belle-sœur! Qu'est-ce que je t'ai fait? Donne les enfants à mon frère! Est-ce de ma faute? C'est de ta faute, tu sais d'où tu as mis ces enfants! Belle-sœur! Je viendrai avec une autre femme pour toi! Mais chérie!
Qu'est-ce que je vais faire? Mais chérie, en fin de compte, elle a raison. Est-ce que j'ai pu te donner l'enfant depuis? Chérie, je t'ai dit que les enfants, c'est Dieu qui donne. Gardons la foi, Dieu va nous donner les enfants. Mais bébé, je n'ai pas aimé la scène de tout à l'heure. C'est quand même ta petite soeur. Je ne vais pas permettre à ma belle-sœur de venir t'insulter sur moi quand même. Au point de te traiter d'hystérique devant moi, chérie. Mets-toi à ma place. Je ne vais pas te permettre cela. Après tout, je suis stérile. Non, chérie. Je te dis que les enfants, c'est Dieu qui donne. Sois forte, ok? On garde la foi, Dieu va nous donner des enfants. Je t'ai entendu, femme. Entre et prends place. Je t'écoute. Grand maître, je suis très confuse vis-à-vis de la situation de mon grand frère. Je vois. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'enlever toute pensée négative de ta tête. Comment ça? La dernière fois que je suis arrivée chez mon grand frère, j'étais incapable de le reconnaître. Ta belle-sœur n'a pas envoûté ton frère. Au contraire, elle joue un très grand rôle dans sa vie. Grand maître, en étant stérile, qu'est-ce que vous me racontez là? Femme, si tu veux la réussite de ton frère, fiche-lui la paix. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Encore cette parole. Je crois que je suis la mauvaise personne. Bonne journée. Femme, fais très attention. Très, très attention. C'est Dieu de nos terres. Vous m'avez placé ici pour un bon jugement. Jamais je ne pourrai vous trahir. Jamais. Théo, ça comment mon fils? C'est quoi ce paquet? C'est un paquet d'argent pour le matin. Qu'est-ce? Ha! La femme là me cherche. Donc, elle a fini de tuer les enfants dans son ventre, c'est maintenant toi qu'elle veut tuer. J'étais interdit de récupérer les paquets chez elle. Tu faisais même quoi là-bas? Prends ça. La femme là me cherche. Elle va savoir de quel point est-ce que je me trouve aujourd'hui. Stérile. Penses-tu que c'est en donnant ce paquet à mon fils que tu vas me le prendre? Jamais. Même les vêtements ne vont rien. Tu ne connais pas conduire une enfant. Mais la dernière fois, c'est une histoire de quoi? N'importe quoi. Mais on est où là? Ça veut dire une histoire de quoi ça? C'est ma femme que vous adressez ici. C'est pas une femme stérile, c'est quoi ça? C'est pas une femme stérile, ça c'est une femme. Elle t'a donné les enfants. Ils sont où? Mais regarde, tu n'entends pas de bruit. Va chez moi, tu vas écouter tous les bruits qui sont là-dedans. Une femme stérile comme ça. Ne vous êtes plus jamais traité ma femme de la sorte. C'est vrai que vous avez un gros. Est-ce que vous prenez soin de cet enfant? Est-ce vous qui nourrissez mes enfants? Connaissez-vous comment rassurer chez moi là-bas?
Au moins chez moi, là, des bruits, les enfants qui ne mangent pas, j'ai quand même enfanté. Celle-ci là, elle est chez vous ici, elle vous sert à quoi? Madame, elle vous sert à quoi? Vous me giflez. Oui. Vous me giflez. Oui. Ça ne doit pas signer ainsi. Vous aussi, j'ai un homme dans ma vie. N'importe quoi. Quand tu as tes enfants, je fais ces miens, hein. Bonjour. Bonjour, tante. Merci. Ben, ça, je te présente Karine. Okay. OK. Bon, je disais tout à l'heure que je vais aller un peu chercher un peu quelque chose à moi. De... OK, OK. OK. Et, pardon, caca, viens un peu. D'accord, tante. Hein? Alors, c'est mon ami que je te disais là. Donc, tu dois tout faire. Tu dois tout faire pour que qu'il tombe dans notre piège. Tu comprends? Mmh, parce qu'il faut... C'est pour toi comme ça que je te dis ça. Faites une phrase. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis entre le marteau et l'enclume à cause de ma belle famille. C'est dû à ton état, n'est-ce pas? Bien évidemment que oui. Si je t'ai fait venir ici, c'était même pour que tu m'aides. Il ne faudrait pas qu'à cause de moi, mon mari ne perpétue pas sa lignée. Ma soeur, s'il te plaît, je voulais que tu fasses un enfant avec mon mari. Sacrilège! Tu t'entends parler? Coucher avec ton mari jusqu'à faire un enfant? Ça, jamais! Pardon, trouver ça une autre personne. Ou alors adopter un enfant. Ça va, tonton, je donne autre chose. Comme quoi, non, déjà l'eau là, ça me va. D'accord, ok. Tonton. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, ça va, tonton. Ah, ok. Tonton. Oui. Ma soeur à côté de vous. Ouais, nous sommes déjà côte à côte, non? Attends, vite. Attends d'abord. Ouais, tonton. Te dérange pas, tonton. Je vais te donner les jumeaux. Dans notre famille, il y a les jumeaux comme ça. Moi, je vais te faire les jumeaux. Non, c'est à ma femme de me faire les jumeaux, j'entends. Non, tonton, est-ce qu'il y a un problème? Il y a la polygamie, non? Il y a les hommes ici au village qui ont même les 5 femmes. Je n'avais pas prévu la polygamie dans ma vie. Oui, tonton, laisse. Tonton. C'est quoi, tonton? C'est quoi? S'il te plaît. C'est quoi, tonton? C'est toi d'abord. Bon, je pense que je vais attendre ton beau-frère dehors. Non, attends, tonton, non. Je suis mal à l'aise, je préfère l'attendre dedans. Ouais, tonton. Je dis non. Tu parles comment? Non, je dis je préfère l'attendre dehors aussi. Je t'ai dit que je ne trouve pas, c'est comment? Non! C'est quoi, oh? C'est quoi? Mais mon frère, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, je suis désolé, c'est mieux que tu te poses le dérange plus en chemin. Ma mère, regarde, rien. Tu penses qu'en te faisant cette proposition, je n'y ai pas réfléchi? En dehors de toi, ma soeur de sang, qui pourra se sacrifier pour moi? Ma copine ou bien un étranger? S'il te plaît, ma soeur,
Aide-moi à sauver mon couple. S'il vous plaît. Je te comprends. Mais coucher avec ton mari jusqu'à faire un enfant, là, jamais. Jamais. Je ne peux pas. Mais gars, vraiment, je suis désolé. Je suis déçu. Je ne pensais pas cela venant de toi. J'ai cru que tu étais comme un frère pour moi. Mais tout ce que tu trouves, c'est de me tendre un piège pour que je trompe ma femme. J'ai espoir que le temps de Dieu va arriver avant de me donner un enfant. Je m'excuse si tu interprètes cela mal, mais c'est pour ton bien. Si c'est de cette façon que tu comptes m'aider, mon frère, je suis désolé. Ah. C'est tout mon pote. Tamga. Toi. Bonsoir, madame. Oui, oui. Tous les jours, tu dois te dire la même chose. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu fais quoi avec ce monsieur? Tu t'avais déjà dit que vous pouvez te voir avec cet homme, non? Un homme sans enfant, toi, tu fais quoi avec lui, Tamga? Non, ma chérie, c'est que je veux un peu lui remonter dans le sens au moins que... Chérie, non, si non, 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 non. Chérie, tu as 7 enfants. Ce monsieur n'a même pas un. Tu penses qu'il est fier de te voir? Tu penses qu'il est fier de savoir que toi, tu es chez toi, tu as ta femme, tu as tes enfants? Tu connais ses intentions avec toi? Ah. Tu veux qu'on soit oh, mais tu es les enfants à cause des conneries. Moi, je ne veux plus te voir avec lui. Je ne veux plus. Non, ma chérie, c'est qu'il faut quand même le monter un peu. Il faudrait qu'il fasse au moins la connaissance de notre. Hé! De qui? Non, de ta petite soeur qui est là. Appelle-toi de qui? Non, appelle-toi de qui? Ma petite soeur. Non, bébé, c'est pas comme ça. Il dit, la, notre petite. Kanga, la prochaine fois que je te vois avec ce monsieur, Kanga, je porte mes enfants. Je pars. Ouais. Je m'a donné mes enfants. Je veux pas qu'on les tue. Hein. Je veux pas qu'on les tue. C'est comment? Non, ma chérie, c'est pas ça. C'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses, bébé. Je ferai tout pour arranger. Mais tu as intérêt. Kanga, tu as intérêt. Non, tu ne me verras plus. Si tu ne veux pas porter ma main sur ta conscience, pense-y. À ce point, là, ça me dépasse. Ça me dépasse, je m'en vais. S'il te plaît, ma soeur. S'il te plaît. Ton histoire, là, me dépasse, pardon. Moi, je rentre chez moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Enfant, ce monsieur n'a même pas un. Tu penses qu'il est fier de te voir? Tu penses qu'il est fier de savoir que toi, tu es chez toi, tu as ta femme, tu as tes enfants? Tu connais ses intentions avec toi? Ah. Tu veux qu'on soit genre, oh, mais tu es les enfants à cause des conneries. Moi, je veux plus te voir avec lui. Hein. Je ne veux plus. Je ne mérite plus de vivre. Vraiment, ce monde n'était pas fait pour moi. Ici dehors parce que je cherche l'enfant, je suis fatiguée. Je ne vous permets pas. C'est pas une femme stérile, c'est quoi ça? C'est pas une femme stérile, ça c'est une femme. Elle t'a donné des enfants. Ils sont où? Mais regarde, tu n'entends pas de bruit. Va chez moi, tu peux écouter tous les bruits qui sont là-dedans. Une femme stérile comme ça. Je suis fatiguée. Comme ça, Claude pourra enfin trouver une épouse qui lui donne des enfants. Seigneur, je suis venue te rejoindre. C'est pas ça, pardon. Cesse de pleurer. Comment tu peux penser à faire des choses comme ça? Comme ça, chacun sera tranquille dans son non, coin. Non, ce n'est pas en te suicidant que tu vas résoudre le problème. Si je venais te voir comme ça aujourd'hui, c'était pour te dire que j'ai trouvé un spécialiste.
pour ce genre de problème. Et j'aimerais que demain matin, tu partes là-bas avec ton mari. Très tôt le matin. Rosine, je sais que tu es fatiguée, mais s'il te plaît, fais ça pour moi. D'accord. Si je le fais, c'est uniquement pour toi. D'accord. Madame. Oui, docteur. Pourquoi n'avez-vous pas contacté un gynécologue depuis toutes ces années, après toutes ces douleurs atroces pendant vos périodes de menstruation? T'inquiète pas, ma fille, ça va aller ok. Toutes les femmes en souffrent. Mais une fois que tu vas grandir et te marier, accoucher ton premier enfant, la douleur disparaîtra. Tu as compris, ma fille? Oui, maman. Si on va à l'intérieur, je vais te donner un anti-inflammatoire pour calmer la douleur, ma fille. Ok, maman. Écoutez-moi, madame, les douleurs pendant les règles sont sans complication, mais peuvent toutefois être le signe d'une maladie génitale, qui doivent être appelés à consulter un médecin, car à cause de cette maladie, vous pouvez être stérile à l'avenir. Docteur, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. On nous a fait comprendre que vous étiez un spécialiste en la matière. Justement. Compte rendu de l'IRM, l'échographie endovaginale et de l'hystérographie. Prescripteur, Foposi-Gottlof. Indication, détection des kystes, des nodules ou des lésions. Les déformations des cavités utérines par les adhérences ou la perméabilité des trompes. Technique, imagerie par résonance magnétique, sonde endovaginale. Résultat. Présence des spots en hypersignaux T1. Présence des liaisons d'endométriose de plus de 5 mm de profondeur qui pénètrent la paroi des organes pelviens. Conclusion. Messieurs. Oui, docteur. Votre femme souffre d'une endométriose profonde. C'est quoi cette maladie? Docteur, je n'ai jamais entendu parler de ça. L'endométriose, c'est une pathologie qui touche en moyenne une femme sur 10 en âge de procréer. Docteur, cette maladie est due aux infections sexuellement transmissibles. Messieurs, vous savez, dans l'utérus des femmes, une muqueuse se forme le long des parois tous les mois. C'est l'endomère. Il sert à accueillir les bébés. En cas de fécondation, il est évacué par le vagin et c'est de là que viennent les règles. L'endométriose, quant à lui, c'est le contraire des règles. Au lieu de sortir par le vagin, une partie de l'endomère remonte dans les trompes. Une fois développé, il peut atteindre les autres parties du corps telles que la vessie et les ovaires. Les douleurs surviennent quand on fait l'amour, quand on a ses règles et aussi quand on va aux toilettes. Docteur, et le traitement alors? Votre femme doit suivre une hormonothérapie. On pourra ainsi soulager les douleurs et éviter la formation des nouveaux foyers. Je tiens aussi à vous rappeler que l'emploi de ce traitement engendre
temporairement un état comparé à la ménopause. Et après ce traitement, combien de temps mettra-t-elle pour tomber enceinte, docteur? Monsieur, selon la profondeur des liaisons et des organes atteints, je pense que la probabilité que votre femme tombe enceinte est de l'ordre de 1 sur 100 millions. Je suis vraiment navré, monsieur. Il y a de fortes possibilités que vous ne verrez jamais votre femme tomber enceinte. Après avoir retiré le... On a creusé le job. Nous sommes allés faire les cérémonies sur les lieux sacrés de mon village, tant du côté maternel que du côté paternel. Jusqu'à présent, toujours rien, grand marabout. Qu'est-ce qui se passe? Dépose 30 000 francs au sol. Les esprits en ont besoin pour le carburant. Les esprits me disent que le père de ton arrière-grand-mère avait blindé sa famille avec le bac du Saint-Dor. C'est quoi le bac du Saint-Dor? Retour à l'expéditeur. Mais grand marabout, vous m'avez dit que après avoir retiré l'œuf, je devais concevoir. Je suis désolé, femme. Le bac du Saint-Dor est irréversible. On ne peut rien faire quand il a déjà frappé. Ceci dit, le travail que nous avons effectué à protéger le reste de la famille. Mais quant à toi, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Je suis allée chez les marabouts, chez les médecins, chez les naturopathes. Mais non, 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 aucune solution. On m'accuse d'avoir ensorcelé mon mari et d'avoir fait des avortements. Pourtant j'ai rien fait, non, non. Mais comment as-tu pu arriver jusqu'à ce niveau? As-tu oublié que nous sommes des chrétiens et qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois? Mais madame, c'est à toi que je m'adresse. Où tu as oublié le Dieu que nous servons? Chérie, je suis désolée. Cela ne se reproduira plus. Tu sais très bien que c'est parce que je t'ai désespérée. Tu m'as déçue. Qu'est-ce que je dis au Seigneur? Je ne peux pas t'imaginer entrer chez un marabout. Chérie, je suis désolée, je te l'ai dit. Tu sais qu'en ce moment, je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Je ne le referai plus jamais, ok? S'il te plaît, mon cœur.
Waouh! Quelle démonstration d'amour, grand frère! Une scène digne d'un film nouvelas. Comme ça, madame a commis une erreur et monsieur lui a pardonné. Bien sûr, je lui ai pardonné. Et je lui pardonnerai autant de fois qu'elle commettra des erreurs. Car c'est la plus grande preuve d'amour. Nous aimons inconditionnellement. Oui, grand frère. Un amour inconditionnel au point où, malgré le fait qu'elle ne peut pas enfanter, ça ne te dit absolument rien. Tu ne te soucies même pas du fait que si tu meurs aujourd'hui, on doit t'oublier définitivement. Oui, mon frère. C'est ça. Ça là, le véritable amour. Un amour dont la seule chose qui compte pour vous, c'est de vous envoyer en l'air dans la maison que mon père a construit avant de mourir. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'après on n'obtient rien comme résultat. Mais il faudrait que tu saches une chose. Regarde-moi quand je te parle. Pendant que tu vis ton soi-disant amour, tes amis perpétuent les lignées. Car cela ne tient, j'ai une surprise pour toi, grand frère. Sandra! Sandra! Viens. Ma chérie, voilà ton mari dont je te parlais. Va l'embrasser. Hé, stop! N'approche pas mes 5 mètres, sinon je vais te faire sauter une dent. Tu n'aimes pas mon genre de femme et je ne pourrai jamais t'épouser. Tu vas l'épouser! Grand frère. Bonsoir, papa. Claude, tu vas épouser cette fille et ne me contredis pas, car tu n'as pas les facultés pour prendre une telle décision. Tu as raison, oncle. On l'a enfermée dans une bouteille. Nous sommes les Bantous et notre famille plus particulièrement. Ceci dit, tu vas épouser cette fille dans un bref délai, car cette constitution a besoin d'enfants. Ma fille, comment tu t'appelles? Kanke Fossing Sandra. Je suis née le 4 janvier 1994. Comprends d'abord le nom. Tu connais ton signe astrologique? Je suis Capricorne. Rachel. Oui, oncle. Demande à ton frère son signe astrologique. Oncle, il est né le 5 mai, donc il est taureau. Regarde dans ton application là, le taux de compatibilité entre un homme taureau et une femme capricorne. Compatible à 15%. Voilà. Ne t'agite pas trop, ma fille. Ne t'agite pas trop. Regardez le taux de compatibilité entre leurs prénoms. Ah, les prénoms. Oncle, les dieux sont avec nous. Ils sont compatibles à 97%. Sandra et Claude. Ma fille. Oui, oncle. Qui sommes-nous pour opposer à la volonté de Dieu? Personne. Ma fille. Tiens, mon doigt à dire à ton mari. Dans ton cœur brûle la flamme de l'espoir. Dans tes yeux brandissent de si beaux rêves, comme celui d'avoir des enfants. Aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de mon prince charmant, mais il ne veut pas croiser mon regard alors que je veux l'épouser. Je t'aime. Oh, ils sont compatibles!
Même les dieux sont avec nous. Avec nous, encore. Oh, oh. Hey. 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 Oh, ouais. Oncle, à quand le mariage? Dans une semaine. Oh là là. Ma chérie, viens t'asseoir ici. Dorénavant, c'est ton époux. Et j'organiserai le mariage à mes frères. Demain, vous irez faire les examens prénuptiaux. Et ma fille, s'il n'y a pas d'inconvénient, on s'en va saluer sa famille et il nous donne la liste de la dot. Comme ça, on va organiser les festivités à la fin de la semaine. Je crois que j'en ai terminé. Tu vois, bonne journée. Va accompagner ton beau-père. C'est dorénavant ton beau-père. Oh, petit marié. Chérie, je pense qu'on va quitter cette maison. Demain matin, la première heure, on va partir. Tu as compris? Sois forte, ma chérie. Bonjour, où tu vas? Ben, je quitte le village, j'en ai mangé, je m'en vais même à Bouddha. Non, je suis venu t'informer que tu dois aller à Mepin trouver un docteur bien spécial pour le problème que je connais là. D'accord, ces histoires de docteur. Ma femme en a bu des énormités, mais aucune solution. Je te parle de quelqu'un qui a rendu possible ce que les docteurs ont trouvé impossible. Tu me dis quoi? Donne-moi le sac-ci. Et allez-y maintenant-ci. Et vous dites pain spécial, Mepin, pain spécial. Merde! Chérie, j'ai oublié mon foulard. Ah, dis donc, c'est un foulard de quoi? Oh, trouve mon cafou. D'accord, oh. Chérie. Molo, molo. Hey, bonjour. Oui, oui, oui. Donc, vous pouvez nous laisser à Mepin là. Je suis pain spécial. Je suis pain spécial. Oui. Bon, tu as laissé ça, non, quoi? Il n'y a pas de souci. Oui, allez-y, mon frère. Ouais. Avance, vous. Ouais. La roue là, ça dérange beaucoup, hein. Voilà. C'est encore loin d'ici, je marche. C'est encore, c'est où ça dit, à 1 km, vous ne pouvez pas marcher, attendez un peu, j'essaie de démarrer. On ne sait pas comment partir. Bon, j'appelle seulement quelqu'un pour venir vous chercher ou bien. Payez la moitié d'argent quand même. Je vous ai quand même accompagné. Amène-nous tout à l'heure d'argent. Non, payez quand même la moitié de l'argent. C'est une affaire d'argent, hein, moi. C'est une affaire de quoi? Non, c'est pas une affaire d'argent. Mais on ne m'aime plus. Enfin. Mais je suis même avec qui? Mais tu vas me donner mon argent. Depuis le matin que je suis dehors. Vous êtes en train de me froisser, vous ne savez même pas qui. Je m'entends. Je me dis ce gars. Monsieur, tu veux bien pas. Donnez-moi le 1500, vous partez avec le reste de 2000. Arrange ta moto, papa. Non, non, tu comptes à moi. Arrange-toi. Mais c'est moi, alors le problème. Oh, 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 oh. Mais vous partez avec mon argent. Montez en bas. Allez-y vite, non? C'est bon? Allez, allons-y. Hey, je suis en train de rouler. Vous allez monter comme ça et puis vous allez arriver chez lui. Dès que vous montez, vous virez derrière l'école là. Hein? Oui. Il vit juste derrière l'école. Mais mon enfant! Ouais, c'est vraiment. C'est qu'on a tellement de tracasseries en route que. Gardez même la voix. Merci papa. Que Dieu soit avec vous. Hein? Ah. Oui, oui. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Mais si vous pouvez, vous connaissez la maison du père spécial. Oui, oui, c'est mon voisin du quartier. Merci. Donc vous allez entrer comme ça, vous descendez, premier carrefour à votre gauche, vous entrez, deuxième carrefour à droite, vous avancez sur 30 mètres, vous allez voir sa maison. Merci. D'accord, je vous en prie. S'il vous plaît,
plaît, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous accompagner? C'est si important et urgent pour nous. C'est que j'étais un peu pressé là. Ok, sans souci, allons-y alors. Merci beaucoup. Voici son domicile, hein. Oh. Mais apparemment, il n'est pas là, hein. Vous allez faire comment? S'il vous plaît, vous cherchez quelque spécial. Oui, madame. Il vient juste de descendre. Si vous pourrez, vous pouvez le rattraper. Ah, merci. Là, vous patientez, alors je cours le rattraper, non? Ok, merci, gars, ok. Chérie. J'ai l'impression que le Seigneur n'est pas avec nous dans cette affaire. Pourquoi à chaque fois, lorsque nous trouvons une solution, il y a toujours un problème? Chérie, laisse le temps, ça va aller. Ok? Désolé, hein. Je l'ai manqué là. Dès que je l'ai aperçu, prenez la voiture pour partir. Et ce n'est que jusqu'à dimanche que vous pourrez le revoir. C'était vraiment urgent ce pourquoi vous voulez le voir. Super urgent, mon frère. Et vous venez de très loin? Très loin de notre village. J'ai pu imaginer. Bon, si ça ne vous dérange pas, je peux vous héberger chez moi, hein, en attendant son retour. Monsieur, merci, maman. Oui, ça ne me dérange pas. Madame. Puisque vous souffrez d'endométriose, considérez votre mal comme déjà guéri. Parce que c'est vraiment le domaine de compétence de père spécial. Wow! Vraiment? Oui, oui, je vous assure. Je parle en connaissance de cause. Ma femme est passée par le même traumatisme. Et avec le traitement de ce monsieur, après 4 mois, ma femme a conçu. Et c'est là que nous avons eu notre premier enfant. Enfin, Seigneur. Bon, je vais me soulager un peu. D'accord. Aïe. Oh, yeah. Oh, enfin, je vais porter un enfant. Vraiment. Donc, patientez seulement le temps pour lui de rentrer. Eh, Seigneur. J'ai l'impression qu'on pleure là depuis. Apparemment, oui. Patientez un instant, je veux savoir de quoi il s'agit. Enfin, j'aurai la solution à mon problème. Après combien d'années? Merci, Seigneur. Merci. J'imagine un peu la tête de ma voisine quand elle va voir mon bébé à moi. Et ma belle-sœur qui m'insultait partout dans la famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Je vais faire honneur à mon chéri. Un enfant, lui. Seigneur, merci. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est père spécial. Ah, il est rentré. Désolé, madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Père spécial est décédé. Décédé? Oui, oui, on vient d'apprendre que la voiture qu'il a prise pour voyager a fait l'accident. Père spécial est mort? Père spécial est décédé. C'est... Madame! Non. Attention! Amenons-la à l'intérieur. J'étais avec Rosine tout à l'heure et je lui ai fait une proposition. Laquelle?
Je lui ai proposé de devenir ma coqueluche. Et là, elle pourra te donner des enfants. Attends. Tu t'entends pas aller, chérie. Quand tu es allé voir ta meilleure amie, en plus ton amie d'enfance, pour lui demander d'être ta coqueluche. Chérie, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles je lui fais part. On se connaît tellement. On n'a jamais été en conflit. Nous sommes comme deux particules inséparables. C'est pas un homme qui nous mettra en conflit aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne pourrais accepter de telles propositions. Tout simplement parce que j'ai grandi dans un foyer polygame. Et je sais de quoi il s'agit. Tu es la seule femme que j'ai connue dans ma vie. Et je crois qu'il en serait ainsi jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Mon cœur a été fait pour aimer une seule femme. Penses-tu qu'en te faisant cette proposition, je suis très contente? Accepte la réalité. Je suis stérile. Oui, je le suis. Faudra pas qu'à cause de ce problème, je t'enlève le privilège de devenir père. Nous étions chez le gynécologue l'autre jour. Et il nous a dit que la probabilité que je te donne un enfant est égale à zéro, mon mari. Non, chérie. Il a parlé quand même de 1 sur 100 millions. Donc, il y a quand même une petite chance. Où est la différence? Accepte la réalité, car la vie ne joue pas en notre faveur. Nous sommes allés chez plusieurs naturopathes, mais ils n'ont pas trouvé de solution à notre problème. Hier, nous étions chez un guérisseur qui avait peut-être la solution à notre problème, mais mystérieusement, il est mort. Quelle preuve veux-tu encore, chérie? Que Dieu lui-même descende du ciel pour te parler? Que je suis stérile? Ou peut-être, tu as juste besoin de la femme dont ta famille t'a proposé. Même si tu ne veux pas le faire pour me faire plaisir, fais-le au moins ce pour ta défunte mère. Fais-le pour prouver à tes frères et sœurs que tu es un vrai homme, chérie. Fais-le pour fermer la bouche de tes amis et collègues qui passent le temps à dire que le jour de ta mort, on t'enterrera avec un caillou. Accepte la réalité, mon cœur. Si c'était ton destin, affronte-le si tu as des couilles. Chérie, si tel est ton souhait, je fais selon ta volonté, je vais épouser ta copine. Je n'ai pas souillé mon âme, Seigneur, je n'ai pas souillé mon âme. S'il te plaît, guéris-moi. Je me suis mariée en espérant trouver le bonheur. Mais après 9 mois, je n'ai pas pu concevoir. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, concevoir. Non, non. Préparer des mixtures à base de plantes pour me faciliter la conception, mais ça n'a pas marché. Je suis allée chez les marabouts, chez les médecins, chez les naturopathes, mais non, 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 aucune solution. On m'accuse d'avoir ensorcelé mon mari et d'avoir fait des avortements. Pourtant j'ai rien fait, non, non. Pourtant j'ai rien fait, non, non, non. Pourtant
Pourtant j'ai rien fait, non, non. Pourtant j'ai rien fait, non, non, non. Je n'ai pas souillé mon âme, Seigneur. Je n'ai pas souillé mon âme. S'il te plaît, guéris-moi. Je me suis mariée en espérant trouver le bonheur. Mais après 8 ans, je n'ai pas pu concevoir. Non, 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 non. Non, non, non.